Et c'est mon podcast à partir de maintenant. Alors, où sont les joints? C'est parti. Non, mais le truc, c'est que bah, j'ai fumé un joint juste avant, c'est pour ça que j'ai raté mon tour. Sans déconner. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que eux, ils avaient pris mon tour, Navo a pris mon tour, et je les voyais bouffer. Et j'ai dit, non, mais non, ils mangent ma bouffe. C'est, non, moi, j'ai commandé ça. Moi, je me suis fait avoir. Ça, je l'ai payé, puis après, quand je l'ai posé, c'était plus à moi. Ah oui, là, c'est plus c'est à la communauté. Exactement. Mais on est ravis de t'avoir dans le public. On m'a beaucoup parlé de toi. Et je suis très heureux. T'es le seul qui peut rivaliser avec moi en termes de barbe dans toute la salle. Et je suis content d'être à côté de toi, Navo. Oh oui. C'est pas comme si on n'était pas souvent à côté. Voilà. C'est une manière de nous faire un bisou dans notre couple. Je te laisse un peu le podcast, Noman. Hein. Je te laisse un peu le podcast. Voilà, alors... Écoutez, alors pourquoi tu nous as invité, Noman? Eh ben, parce que je vous aime tous. Voilà. Et j'avais tous envie d'avoir un rapport sexuel individuellement avec vous. Pourquoi individuellement? Et là, c'est ça que je me suis dit. Je me dis, attends, on va faire un groupe. Et après ce podcast... Pourquoi après? Parce qu'on est en France et qu'ils aiment pas trop les roasts, ils aiment pas trop les partous publics. Enfin, tu vois, c'est un... Oh, c'est chiant, la France. C'est un peu ça. En fait, je pense que la France aime les roasts. J'aimais bien les roasts. Alors, cette histoire de Jamel... Putain, mais c'est hallucinant quand tu reprends le podcast, oui, mais sans problème, quoi. Bah, posez-moi aussi des questions. Attends, pourquoi c'est moi qui bosse, là? Bon, Noman, ça part bientôt, là, ou quoi? Ouais, j'ai un départ. Tu déménages? Ouais. Mais vraiment, pas comme Shirley qui passe de... Elle dit, ah, j'ai déménagé, là, je fais du 18e, ah, non, là, 17e. Je déménage. D'ailleurs, j'ai mon dans appart qui se libère, Shirley. Dans 14e. Ah, bah ouais, voilà. Voilà, ça peut tu pars quand, là? Eh ben, écoute, j'attends un visa. Tu pars où, surtout? Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Au pays où la weed est légale. Je pars en Californie, ouais. Californie. Alors, Amsterdam, c'est déjà... Barcelone, pour l'instant, pour moi, c'est mieux qu'Amsterdam. Ouais. Je sais pas... Ouais, tu confirmes. Ouais, enfin, même juste l'Espagne. Ouais, c'est quand même... les CSC, c'est quand même génial. C'est formidable. Voilà, donc les Cannabis Social Club qu'on ouais, vous parlez pas des monuments, très clairement. Non, clairement pas. Alors, franchement, c'est heureusement que le GPS existe maintenant à Barcelone, parce que franchement, d'un CSC à l'autre, sans GPS, et puis les rues à Barcelone, c'est pas juste comme ça. Tu sais, il y a un petit... Il y a un angle un peu chelou, comme ça, et tu sais plus dans quel sens t'es, tu vois. Et du coup, j'ai pensé à... Je serais capable de me l'implanter. Par contre, je me ferais pas un trou, je me le mettrais dans le cul. Clairement, tu vois, il y a déjà un trou, c'est pratique. Mais ouais, c'est une bonne idée pour les foncer, ce truc de... Eh ben, tu connais pas son cul. En plus, ça veut dire toujours que tu sais, c'est pas en face de Watt, c'est que t'as ton cul qui est face au nord. Tu vois toujours le sud. Tu dois faire un calcul à chaque fois. Cours vers le nord. Mais alors, décris-nous, qu'est-ce qu'un CSC? Alors, un CSC, c'est un mais cannabis. Je le veux en storytelling, vraiment, je veux. Alors, le CSC, t'arrives, c'est le... la porte, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu rentres, déjà, tu dois avoir un passeport, ouais, avoir plus de 21 ans. Identité. Et donc, tu payes une cotisation. Que la cotisation a été offerte au Firehouse pour ceux qui sont venus voir mon spectacle, puisque j'ai joué mon spectacle dans un CSC, tout le monde était foncé. Et voilà, en fait, tu payes la cotisation. Ils te donnent une sorte de badge. Alors, qu'est-ce qu'une cotisation? L'utilisation, ça a été dans la loi de l'association 1901, à but non lucratif, qui a été créée à l'époque. Donc voilà, tu cotises. Alors je sais pas si c'est à l'année ou à toute ta vie. Tu peux faire les deux, je crois. Moi, ils me demandaient si c'était au mois ou à l'année à chaque fois. Tu payes genre 20 balles et après tu peux rentrer. Et fumer de weed. Alors il y a plusieurs types de CSC. Je crois qu'il y a, par exemple, t'as des CSC où c'est, y a beaucoup de Français, t'as des CSC. Genre, il y a un CSC, c'est genre une boîte russe, tu vois. Où, Mais c'est quoi? C'est comme un bar C'est comme un bar. C'est clairement comme un bar. Tu peux boire, mais tu peux aussi fumer de la weed. Et acheter de la weed. Et acheter de la weed. Et fumer des extractions, vraiment, des qualités impressionnantes. Putain, vous vous rendez compte que la dernière fois qu'on parlait aussi sérieusement dans ce podcast, c'était pour parler de camembert, quoi. C'est un peu la même chose. Il y a un goût, il y a un goût, il y a un voilà. Truc. Et Mais tu peux acheter vraiment... et consommer que à l'intérieur? Non, ça dépend en fait. Légalement, tu peux consommer soit chez toi, soit dans le CSC. Il y a une connerie aussi de quand tu sors, t'as genre une heure pour aller chez Watt, un truc comme ça. Il y a une loi rigolote comme ça. Ouais, comme l'ivresse sur la voie publique. Ouais, un peu, ouais. Si t'as ta weed et que tu sors du CSC, t'as le droit de. T'as pas le droit d'avoir de la weed sur toi dans la rue. Quelqu'un te bande les yeux. Ouais, c'est ça. Pardon. Tu sors, quelqu'un te bande les yeux, te fait tourner sur toi-même, et après t'as une heure, quoi. Genre, c'est vraiment. Mais surtout quand le flic t'arrête, comment il peut savoir, ça fait combien de temps que t'es dehors? Avec le ticket? Ouais, en vrai, il y a des trucs, quoi. Le ticket de caisse de weed. Excuse-nous. J'imagine. Hein. Malin. Moi, okay. Je trouve dommage qu'on parle de weed alors qu'on était parti sur la partouze et on a complètement dévié. C'était plus intéressant. Non, c'est l'histoire de ma vie, quoi.
Et Charlet qui est de retour. Ouais, aïe. Sans dents. Une scène derrière. Bon bah c'est la fin du podcast. C'était la dernière. C'est pour ça qu'on arrête. Ça vous dit on fait une pause? Ah ouais. Genre... Ah, tu viens il vient vraiment t'as trop bossé, toi. Ah ouais. Ah putain, il y a encore plein de gens qui m'envoient des textos genre j'arrive, donc on se fait une petite pause un quart d'heure, on boit des bières, on fait pipi, tout ça, et à tout de suite quoi. La suite de Vivement Dimanche avec Michel Drucker, demain mon pote, je sais tu peux pas attendre mais t'as pas le choix.